au nom du Père qui, Papa du Sokelo Kelo, du Fils dit Papa de Lona Kangani, et du Saint-Esprit dit sa divinité Tata Kimango Kutima Kangani, dans le cadre de cette structure communicationnelle concernant la médiation ou le multimédia pour établir comme relais en ce qui concerne le message du Saint-Esprit Papa Simon Kimango Kangani et nous ici en Occident. Mes chers amis, aujourd'hui on est le jour de Massa, comme je dirais Kassamba, jour tout dédié à Gagawanga Mouilo Marie, parce que c'est la journée consacrée à la femme kimbanguiste, où en Kamba, à la Nouvelle-Jérusalem, aucune occupation se fait personnellement, sinon qu'une occupation d'attaquer Kimbangu. Et d'ailleurs, sa divinité, dans son action, il consiste à recevoir toute l'humanité entière pour donner ce dont certains demandent ou ce que les gens sollicitent, ne fait que l'action de restauration. Nous ici, en tant qu'humains, donc divinement inspirés, divinement insérés, divinement envoyés en Occident en tant qu'ambassadeurs, nous avons le devoir de faire sa volonté. Alors, en ce mercredi, le tome est imparti parce que l'occupation pécuniaire va m'appeler à prendre notre disposition, mais ce qui est certain, c'est que nous avons une nouvelle attristée. Quand est-ce que nous, les Congos, on va comprendre ce que nous sommes? Comment comprendre jusqu'à la date d'aujourd'hui? On est en l'an 2018. On n'a pas encore compris que le Congo est un territoire commun. Il n'y a pas d'Angolais. Il n'y a pas de Congolais de la RDC. Il n'y a pas de Congolais de la RC. C'est le Tata Kimbangu qui est unique. Pourquoi on ne se comprend toujours pas? Tata Yebabam. Oui, l'homme qui vit ça, Ngabo Banani Tunina. Tata Kimbangu, il s'est donné tant en pâture dans une cellule qui mesurait 1m80 sur 1m. Et lui, il est la tête, c'est la Angola. L'abdomen, c'est la RDC. Les pieds, c'est le Congo RC. Mais on est un. Quand est-ce que nous allons comprendre cela? Je suis offusqué de ce qui se passe dans la tête de Tata Kimbangu en Angola. Ça, c'est la tête. Et dernièrement, il y a 2 ans, je ne sais pourquoi, cette fameuse... J'aime pas qualifier ce qui s'est passé en RC. Mais quand est-ce qu'on comprend? On est des Congolois. Congolois. On vit sous la loi de Tata Kimbangu. Et Tata Kimbangu dit Bolingo, Mibeko, Misala. Et Nkamba est notre centre névralgique. Nkamba est notre centre de l'univers. Nkamba est notre concentré. Mais jusqu'à présent, on continue d'entendre là-bas qu'on refoule les internes. Mais jusqu'à quand on va comprendre ça? Vous m'excuserez le temps que je prends parce que j'ai vu des images tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe en Angola concernant nos compatriotes de la R? Mais c'est invraisemblable. Jusqu'à quand on sera des camps pour qu'on ne sache pas qui nous sommes? Je suis offusqué, je suis désolé. On est mercredi, j'implore Kaka Wangoudien Longo, Maman Mouilou, ou tout s'il enlève, Maman. Koufikantango, Yemiongo Inzanza, passez-vous qui tirent en guette la main. Kangé, Girladiakou, bonsoir, moi, n'en passe. Toi, ça y est, on s'aime, Madame Tena. Télémesa Bendiakou, vous venez d'ingakou, passez-vous à Kaylepi. L'Oba, mon nom, on a eu Tatanzambé. Mokili Mozoakinia. Basali Bayo! Bah c'est fait là. Faut qu'on le fasse. Come on.
Kwa ya
Thank you.
Thank you.
Ma come ogni di essere salita, voglio a Cristo, ma voglio a Cristo.
Allez mes amis, les impératifs nécessaires, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Tata qui s'est bon qu'un anime en déjà